Exactement. Je trouve qu'on a bien commencé. On les a bien pressés. Ils ont un peu changé de système. Ce qu'on n'y pensait pas trop, mais on s'apprêtait aussi à ça. Du coup, ils ont fait deux matchs, un match jusqu'à aujourd'hui à trois. Mais je trouve qu'on avait des occasions, on les appréciait. On a gagné quand même deux, trois ballons. On marque le premier but comme on voulait. On sait qu'à 5, c'est dur et de défendre, surtout le dernier défenseur, il tient toujours la ligne. Taki fait un bon appel, un bon but. Après, je trouve qu'on a un peu pris le 1-1 simple, où on n'est pas concentré. Et après, c'était un peu difficile pour nous pendant 10-15 minutes. Après, le 2-1 nous a fait énormément du bien. Et en deuxième mi-temps, on savait qu'il faut être bien placé, il faut avoir de patience, on va se créer des occasions entre les lignes. Et je trouve que le 3-1 nous a un peu allégé le frein à main. Et après, on a vu toutes nos qualités offensives. Justement, votre coach parlait avant de cette rencontre de match clé. Vous avez 7 points là au classement en 3 matchs. Voilà, vous êtes serein dans ce début des championnats. C'est vrai qu'on voulait avoir 9, mais voir le contenu du dernier match, je crois maximum c'était un point si on peut être honnête. Mais ouais, c'est 7 points. Deux belles victoires à la maison. 1-1-1, on allait chercher avec le mental, et maintenant on sait qu'il y a encore beaucoup à aller chercher. Mais on va essayer de profiter de cette victoire, de ces 3 points. Mais il y a un gros match dimanche qui nous attend. Notre force était toujours de disperser les deux compétitions, d'aller chercher la confiance ou bien en Ligue des Champions ou en Ligue 1, et on va essayer de le faire. Et après, on va voir donc la prochaine équipe. Avec quelle équipe et avec quel état d'esprit on va aller chercher ces 3 points. Bref, tu pensais le tenir le deuxième but ou tu savais qu'il y avait un risque quand même? Ah non, en vrai, ça allait vite. Je n'ai pas vu les actions, mais c'était un bon ballon de Magnès, une bonne course. Après, c'est 50-50. Après, comme j'ai dit, c'est un peu dommage pour moi, mais je trouve que c'est important comment on s'est cherché, comment on a joué, surtout la manière qu'on a joué. On a mis un très beau meeting, un peu agressif contre les attaquants il y a quelques jours avec l'équipe. Et on savait qu'on doit donner énormément à l'équipe. Aujourd'hui, je trouve que la réaction elle était super. De tout l'attaque, de tous les milieux, on a pu montrer, on a pu surtout se créer des occasions, et chacun marqué être important. On va prendre beaucoup beaucoup de plaisir quand ça tourne, mais on sait que c'est à nous de chercher le deuxième, le troisième. Après, ça simplifie un peu le match. Imagine un meeting, dernière question aux attaquants, on en parlait entre vous, vous avez demandé de faire. Non, c'est un peu la compréhension. Quand on défend, on attaque ensemble. Quand on voit ce qu'on fait défensivement, c'est pas juste les défenseurs, mais quand on voit aussi offensivement, ce qu'on fait, c'est pas juste c'est pas juste des attaquants, mais c'est vrai qu'on a surtout des occasions où on cherche un peu trop les ballons entre les lignes. On fait des beaux actions entre les 16, mais on finit pas avec des frappes au début. Et on sait qu'on est payé en attaque pour marquer. Et c'était pas qu'un joueur, c'était tout le monde. Et aujourd'hui, comme je dis, en attaque, on est très efficace, on a montré nos qualités. Et après aussi, ça facilite le match pour tout le monde. Est-ce que vous À toi. Énormément. Comme j'ai dit, ça va à la performance. La performance, elle était là, elle était OK. En deuxième mi-temps, j'ai aussi su accélérer un peu plus. On a un peu vu après le but, ça m'a un peu relâché. J'ai un peu vu les options que j'adore. Et bien sûr que ça fait du bien. On travaille pour, mais comme j'ai dit, c'est toujours l'équipe qui pense en avant. Et l'équipe a su tenir, si on peut dire, jusqu'à aujourd'hui, sans beaucoup de buts des attaquants. Aujourd'hui, on est tous là. On sait qu'on a une grosse marche offensivement. Et on a pu le montrer aujourd'hui. On va essayer de combiner les deux trucs, attaque et défense. Et je trouve que ça a fait énormément du plaisir aujourd'hui d'être sur le terrain. Et j'espère aussi en dehors. C'est la soirée parfaite. La dernière question. Est-ce que vous faites jamais souvent des clubs? C'est toi qui l'as appris. Il y a souvent des. Je crois que c'est la centième, mais je crois que pour Vitius, c'est la centième, on dit comme ça va revenir dans 100 ans. Pas trop espéré, mais super bon but. Match difficile contre un bon attaquant, quand même, sur le banc, des difficultés, mais toujours là, il est présent, il est énormément important pour nous. Et le but, c'est l'autre rang, c'était quand même. On ne voit pas tous les jours, et ça nous a aidé à surtout prendre cette lancée et nous a un peu de difficulté. Aider à simplifier le match. Merci, c'est la zone parfaite.